Bonjour, on est vendredi, il est 8h, on est sur le plateau de France Bleu à Mangin. Je voulais vous montrer un peu ce que ça donne en fait en ce moment. Alors là, normalement, il y a le chef du web, il y a Léopold, chef du réseau, il y a Fred Chapuis au fond, chef de France Bleu Paris. Comme vous pouvez le constater, il n'y a personne. Tous les bureaux sont vides, les télés sont allumées quand même, on pourrait les éteindre quand même, on est un peu gonflé. Tout est vide. Il y a Denis Farou qui est arrivé déjà ce matin. Salut Denis. Salut. Ça Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais ça sent un peu le vinaigre. Parce que je pense que le clavier n'a pas été fait depuis 24 heures, donc je suis arrivé avec ma petite fiole de vinaigre. Mais j'aimerais bien qu'on achète un litre et demi de vinaigre pour Mangin, 60 centimes. 60 centimes. On a des lingettes désinfectantes, sinon, et des bidons de trucs tellement désinfectants que ça fait des trous dans la peau. Mais il y avait une rupture de lingette hier. Il y en a ce matin. Merci je Axel. Je m'en suis servi, tu peux y aller. Merci Axel. Il y en a ce matin. Donc Denis est tout seul, il y a Antoine Quevilly, le Red Chef Journée, qui devrait pas trop tarder à arriver. Ils vont être tous les deux sur ce plateau pour la journée. Ici encore des plateaux vides, là d'habitude il y a les reporters de France Bleu Paris. Ici c'est le web est en télétravail depuis la semaine dernière. Au fond pareil, tous les desks de France Bleu Réseau, il n'y a personne. Si, il y a le monsieur qui fait le ménage, bonjour monsieur. Bonjour. Donc on a bloqué certaines portes avec des chaises pour éviter d'avoir à toucher. Voilà, là on est en technique. Personne. Personne, personne, personne. On arrive vers le studio. Là, il commence à y avoir du monde. Pas vraiment du monde. Là, il y a Marian qui est au standard. Il y a Aurélien qui fait la technique. Il est bien tout seul dans la régie. Voilà, parce qu'on était de consignes très strictes. Merci de respecter le nombre. Deux personnes dans la régie maximum et distance de sécurité 1m50. Donc on essaie de le respecter. Alors il y a quand même du monde dans le studio. J'en profite pour vous montrer notre beau studio. Il y a Mélodie Pépin qui présente la mat de France Bleu Paris. Il y a Franck aussi. Hop, tous les deux. Donc on en a deux en studio. Ici, vous avez vu la tour Eiffel comme elle est belle? Ah, on a Johanna avec qui j'étais ce matin, qui se repose, ça va mieux? Tu récupères? Je viens de tout nettoyer partout, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Tu m'étonnes. Et ici, donc d'habitude, c'est le pôle matinal. Donc là, normalement, il y a quelqu'un qui s'occupe du web, Germain, en l'occurrence ce matin, qui est donc chez lui. Et là, bah, il n'y a plus personne. Si, il y a moi au fond, à droite. Sinon, personne, personne, personne. C'est vide. Il y a Nicolas pour la mat de France Bleu Paris. Voilà. Donc ce matin, dans cet open space, on était 1, 2, 3, 4, on était 5 contre d'habitude, on est 6, 7, 8, 9, on est 10, 11 même d'habitude. Et ici, donc, on est du côté de l'animation. Voilà. Normalement, ici, il y a tous les animateurs de France Bleu Paris et France Bleu Réseau. Sachant que tous ces bureaux vides, il y a en fait beaucoup plus de monde, puisqu'il n'y a même pas un bureau par personne. En général, les bureaux sont partagés. Voilà, c'était un petit aperçu de ce qu'est notre quotidien depuis maintenant quelques jours. Je ne sais pas comment c'est chez vous, dans vos rédacs, dans vos maisons, comment vous êtes organisés, mais voilà à quoi ressemble Mangin actuellement. Normalement, il y a une centaine de personnes dans le bâtiment, on est limité à 14 en ce moment. Voilà, moi je ne vais pas tarder à partir non plus pour faire un relais avec l'équipe de jour. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et bon confinement.